Passer les bergeries de Cogne en 2h25. J'avais passé le ravito de Padoule en 2h. Et que dire, la montée s'est bien passée. Il n'a pas fait trop chaud. Il n'y a pas eu trop de bouchons. Après le ravito de Padoule, il faisait frais, excessivement frais même. Et là, tout va bien. Voilà, il n'y a plus qu'à aller jusqu'à Bonnerche, 5 km de piste. Ah ben dis donc, que de choses à raconter depuis tout à l'heure. D'abord, j'ai passé Bognacci en 3h. Après, Refuge de la Seigue en 3h25. Pinadello en 4h15. Et c'était fromage et dessert cette année, puisqu'il y avait Jean-Louis et Pierre. La malédiction de Pinadello. Encore frappé, mal au bide. Obligé de m'arrêter. Je m'arrête, pof, la poche à eau qui pète. Donc je suis trempé jusqu'aux fesses et j'ai plus de poche à eau. On va voir comment on s'en sort, mais on va s'en sortir. Et donc là, il fait un peu frais avec les fesses mouillées. 15 minutes de retard, logique. Petit problème technique, petite forme. Mais bon, rien de dramatique. Ça va passer, là le jour va se lever et notre course va commencer. Calaguccia, Calaguccia, ravito, 5h32. Il est 5h45, je quitte le ravito de Calaguccia. J'ai pris une soupe, je me suis assis un peu, on dirait que ça fait du bien. On m'a donné une bouteille d'eau d'un litre, plus mon bidon de 500, ça fait un litre et demi sur moi, c'est bon, ça suffira. Sabotage, comme on dit, Darcy, sabotage. Le bâton, bâton cassé, grosse merde. Poche à eau, bâton, la totale aujourd'hui. Allez, le jour s'est levé, ça va déjà mieux et cette portion, eh ben, elle se fait en patience. Donc patience, allez go. Presque 41 km, 8h10 de course. État des lieux, les jambes qui tirent un peu déjà, pas mal. Mais ça va nettement mieux que cette nuit. Ça n'a rien à voir. Allez, c'est parti, il est 8h, je suis passé à l'Erc ou à 7h35. C'est très très dur, je crois que je le dis jamais assez, et c'est très très dur. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est très très dur. 9h40 de course, le lac de Cinto. Bon, là je comprends rien à mon corps, j'ai morflé. Dans la première partie là, minérale, et après plus tellement en fait. Alors, 10h02 de course, les copains, super ravito.
Mais il y a du vent, je ne vais pas traîner ici. Magnifique vue, forcément. Superbe. Payaorba en face. Que dire? Rien. Chaud, chaud, chaud. Une demi-heure de descente très chaude là. Pas de la température, mais alors, niveau difficulté, ça c'est vraiment costaud. Dangereux même par endroits. Ballonne, 11h08 de course. J'ai quitté Ballonne et 11h17 de course. J'arrive pas à faire le point, je crois que j'ai peut-être un quart d'heure de retard. L'essentiel, c'est de se sentir pas trop mal, avec des jambes correctes, sur ce parcours de fou. En fait, on a toujours l'impression d'être dans un lit de rivière à sec. Voilà, donc c'est usant. Allez, à venir, la grosse montée vers Pocafogial. C'est parti pour la montée qui tue. Il y a un petit peu de vent, ça va être bien. Elle est mignonne cette montée. Vraiment, je la recommande. Comme c'est dur. Fogial, c'était quoi le nom d'un diable? Salut Pépita, où le shérif que je la somme? Ah, tu dis-moi. Yes. Mais regarde, ça fait le petit. Il n'y a pas la tête. Les doigts dans le nez, cette colline! Ouais. Trop facile! Ah! Ciao Toulouse, 12 minutes de retard. Pas mal. La nouveauté de l'année, c'est que le ravitaillement n'est plus à Verdjo, mais à la Légion. Et donc ça y est, j'emprunte le chemin qui semble descendre tout chousse. Donc là, c'est la route. Et il va y avoir le ravito bientôt. Allez, ravito, en 14h16 de course. Super ravito. Ravito qui fait du bien. 14h40 de course, je repars. Je suis resté 25 minutes, c'est pas mal. Même très bien. Du lac de Nino. Cette année, on prend à gauche en direction des bergeries.
l'ancien ravito est juste en face. Et je suis passé en 17 heures de course, c'est-à-dire le même chrono que l'an dernier. Il est 16 heures. Ben, c'est super. C'est dur, mais c'est super. Voilà, le nouveau ravito qui n'arrive jamais, mais qui finit par arriver. Indeque. Charcuterie, j'ai mangé du lomzu, la pastèque, des melons, c'est bon. J'ai fait le plein d'eau parce que jusqu'à Bocasso, il y a la misère. Et puis, je suis fatigué un peu là. Normal. Vacadia, j'ai que 8 minutes de retard. Ici, je crois que c'est le paradis sur Terre. J'adore. Je suis sûr que je viens d'entendre une vache dire Gilles. Sûr. Mangano. En 18h21, toujours 8 minutes de retard. C'est pas bien grave quand on repense à cette nuit horrible. J'ai bien cru que là, j'avais mon compte. Donc, je ne boude pas mon plaisir. Et c'est parti pour l'entrée plat dessert, montée à Boca et les portes. Ah, voilà, l'arrivée, la fin de l'entrée, dans ce qui s'appelle la prairie de Monsieur Bertrand. Pas Monsieur Bertrand de la chanson, Monsieur Bertrand, illustre trailer qui fait des livres et tout. Eh oui, Monsieur Bertrand, à qui je pense à chaque fois dans ce passage. Salut Bertrand. Ah ah. Oh, elle est timide. Elle met un voile de nuages. La brèche, le capitaine ou là-haut. Pas de vent, plein cagnard, pas de nuages. C'est chaud. Ah, je pense qu'on va pouvoir passer au dessert. Mais pas du tout. Elle n'est pas du tout timide et elle se dévoile pleinement. La voilà. Il est 18h37. 19h37 de course. Et voilà. Youpi. C'est joli. C'était dur. C'était très dur. Très chaud. Pas de vent. Toujours aussi beau. Allez, go. Petit moment de répit. Après la descente très, très engagée. Un petit moment d'accalmie. Donc j'ai passé le ravitaillement de Bocasso il y a à 19h12. 20h12 de course. Je crois que ça fait 10 minutes de retard sur l'an dernier, mais c'est pas grave. Je vais arriver au Grotel dans les temps pour qu'il fasse jour. Et ça, c'est super. Pendant un quart d'heure après Bocasso, là, c'est vraiment engagé. Punaise. Je passe toujours ceux qui passent de nuit là. On l'a fait en plus, hein, avec Nounette. Très dur. Mais l'eau en vue. Les brouillards en vue, comme l'an passé, ça va chauffer. Il est 19h40, c'était le lac de Mello, direction Grotel. Grotel approche, le temps va être extra. Et oui, ils nous ont fait passer par les échelles. Il n'y a plus de randonneurs, donc on a pris les échelles, c'est beaucoup plus rapide. Super, trop super. Donc un petit peu d'avance certainement, par rapport à l'année dernière. On entend les cloches, ça va être super. Ouais.
est là. 20h11, c'est fou. 20h31, je quitte Ravito, le gros tel. Changement de chaussettes, de t-shirt. Pardon. Il fait un peu frisqué, mais ça va pas durer. Puis en plus, j'ai envie de faire pipi. Frontal sur la tête. Brouillard, on risque d'avoir chaud. Enfin, je risque d'avoir chaud dans la montée. Mais alors là, super le chrono là. Punaise. Je suis resté un peu longtemps, mais j'ai mangé comme il faut. Je me suis changé. Il fallait ça. Beaucoup d'eau cette année encore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. ...20h11, l'arrivée au Grotel, alors que l'année dernière, j'avais été pointé à 20h27, donc 16 minutes d'avance, pas mal. Ce qui reste du pont, malheureusement, que c'est triste. Et plus bas, j'en parle même pas. Allez, on part à gauche. Le chemin se poursuit. Bientôt, il va faire nuit. Pas besoin de frontal pour le moment. J'ai un bon tempo. C'est parti, 20h25, go, 21h25, je sais même plus. Quelle heure il est? Ouais. 25 de quelque chose. C'est ça. 21h. 21h25, merci mesdames. C'est parti pour le show. Amis, pente, je suis sorti du nuage, donc il fait moins lourd. Mais waouh. Bergerie de Capella, c'est fini, le D+. Yeah. 22h35. Je crois, hein, j'ai déjà oublié. Je vais regarder. Oh, pardon, excusez. 22h34. Non, mais attends. Mais je te mets une torgnole au chrono l'année dernière. Yes. Il est 22h45. Je vais arriver dans quelques instants au ravitaillement du plateau d'Alzo. Le voilà, ravitaillement du plateau d'Alzo. Oui, le pont du Russolino. J'ai plaisir à voir celui-là. 23h58. Ouais. Il est 1h moins 10. Qu'est-ce qu'elle est longue cette fin de course. En fait, on dit la descente, mais il n'y a pas que de la descente. Hein. Une partie de descente, et puis là, c'est un chemin qui ne finit jamais. C'est très long. Ça y est, j'aperçois les maisons. C'est fini. Voilà, la sortie du chemin. Trop bien. Trop, trop bien. L'arrivée. L'arrivée tant souhaitée. La voilà. Merci. Wouh! Oh yes! Ouais. Et les applaudissements et on se. Merci. L'arrivée, on en profite. Allez, c'est ouais. Bon, c'est fait. Finish. Merci. C'est quand même première parce ouais. Qu'on voit le maillot de 2021. Alors, je suis éclaté. Je suis tellement content.